Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode d'Osiris New Dawn. Alors, eh bien, je crois que j'ai trouvé le dernier cryptex, celui qui me manquait en fait pour avoir le réacteur pistol. Et donc, on va voir tout de suite si j'ai raison. Voilà, Success Unlock, réacteur pistol. Donc, ça, c'est bonnard. C'est le cryptex qui me manquait. Donc, je suis plutôt content. Je vous avouerai que j'ai couru après pas mal de satellites. Ok, donc les derniers. Donc Passlight, ça c'est connu, et ça, Learn Blueprint. Voilà, donc désormais, on sait fabriquer un réacteur pistol. Et donc pour ça, il va nous falloir du steel, du plastique, du plomb, des fils, des circuit boards, réacteur cell. Ah. Ok, donc plutonium, plomb et or et du titane. Waouh, 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 waouh. Je crois que j'aurais dû noter tout ça. Je crois que j'aurais dû noter tout ça parce que là, je suis plutôt mal barré. Alors déjà, je vais vider. Donc on va faire ça. On va faire ça. Faire ça. Et Scaliopod Meat. Ouais, normalement ça va pas là, mais pour le coup, ça ira bien. Donc il nous fallait. Il nous fallait. Il nous fallait de ça. En fait. On va juste en prendre une dizaine. Hop. Il nous faudra de ça, donc tout ça on prend puisque c'est pas lourd, hein, c'est pas pour ce que ça pèse. Il va nous falloir donc du plutonium, de l'or, du plomb. Du titane. Et je crois qu'on sera pas mal. Ok, bon, je dépasse le poids. Le poids limite. Mais mon jetpack fonctionne toujours. Donc du coup, on ne perd pas trop de temps. Ok, donc. Du coup, il nous faut une réacteur cell. Donc on va la fabriquer tout de suite. Voilà, donc elle est là. Réacteur cell. Nos pro Ah, mais j'ai encore plein de saloperies ici, moi. Oh, peine. T'en laisses traîner partout, c'est juste incroyable ça. Ok, et donc là, eh bien. Ah, il en faut deux. Ok, bah suffisait de le dire. Voilà, deux. Et du coup, on peut enfin se fabriquer le réacteur pistol. Et là, on a tous les blueprints en fait, du coup. Puisque même le Assault Rifle, on en a même fabriqué un déjà. Donc du coup on va récupérer notre nouveau jouet. Voilà, non, le hit pistol, hop, on va le ranger. Et du coup en fait il va presque falloir qu'on se fabrique un placard pour se faire une armurerie. Vu comme on commence à être équipé. Ok, donc il est très long à recharger. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à espérer qu'il fasse beaucoup de dégâts. Donc, déjà. Voilà, parce que si j'y vais à pied, ça va prendre trois fois plus de temps, alors que je peux y aller en bécane, gentiment, sortir mon réacteur pistol poncer cette larve. Ok, on en a une sur deux. L'autre s'est barré, j'ai pas vu où elle s'est barrée. Je l'ai vu partir par là, mais après je suis pas sûr de du chemin qu'elle a pu emprunter. Mais je crois qu'elle a fui lâchement. J'aime beaucoup le son qu'il fait. Le.
C'est sympa. Comparé à... Oui, pistole par exemple. Le tir est plus sourd, plus... Là, ça fait plus tir de blaster. J'adore. Du coup, ah bah mon truc, j'aurais dû le looter avant, il a disparu. Il a disparu. Ok. Excusez-moi. Non, je ne le ferai plus, c'est promis. Du coup, je vais peut-être récupérer ma moto et puis aller me vider les poches. Parce que j'en ai plein les poches et du coup... Oh, j'adore la moto. J'adore cet overbike. Il est juste génial. Ok, du coup on va redéposer tous les trucs qu'on avait pris. Donc bah le lead, le titanium, l'or, parce qu'il est l'or. Hop. Et on est pas mal, hein. On est pas mal. Du coup, on va redéposer aussi toutes ces saloperies ici. Parce que, bah voilà, hein, des pass light. Ça va, j'en manquerai pas de cryptex de pass light. Hein. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas les détruire pour récupérer les matériaux. Ça serait le panard. Parce que là, franchement, on a juste trop partout, quoi. J'ai oublié de redéposer de l'aluminium, ça va faire au moins 4 fois que je passe dans ce coffre, que je me dis il faut que je dépose cet aluminium à la con, et que je ne le fais pas. Voilà, donc on commence à avoir une jolie collection de flingues, puisque bah on a ce pistolet, du coup toi tu vas dégager, on va foutre le hit pistol ici, pendant un temps on va se garder le pistolet, le réacteur pistol sur nous. Voilà. Voilà, que d'ailleurs on va aller plutôt mettre avec les... non, ça j'avais dit que je le laissais là. On va plutôt aller mettre ça avec, avec le fusil... Ouch. Je me suis cogné là. Voilà, puisque ici on a... Ah, j'ai encore des trucs ici. Ah oui, et puis j'ai les landing mines aussi. Donc ça, on a vu que c'était bien marrant, surtout contre les bestioles. Hihi. Le truc, ça va être de pouvoir les attirer dessus, quoi. Quoi qu'elles viennent assez fréquemment. En général, quand elles viennent, elles essayent de venir de par là. Donc on pourrait toujours se poser une mine ou deux. Genre par exemple une ici, on va voir, on va voir. Mine. Landing mine. Hop, on va poser une ici. Donc il faut pas essayer de la retirer par contre, hein, une fois qu'elle est posée. Sinon elle vous pète à la queue. Moi c'est ce qui m'est arrivé un peu. J'étais un peu deg d'ailleurs. Et puis on pourra en mettre une par ici. Voilà, parce que des fois il y a des niates qui viennent nous attaquer la nuit et tout. Ils sont assez enquiquinants. Ah, je me demande ce que ça fait s'il y a une météorite qui tombe dessus. Ça l'a détruit ou ça l'a fait exploser? J'ai même pas vu où il était tombé le truc. Je sais pas. Je ne sais pas. Ok. Donc. Donc par ici, il y a quoi? Il y a du minerai et du désert. C'est tout. Voilà, donc la nuit ne va pas tarder à tomber. Nono est en train de trimer, mais alors comme un forcené. Voilà, parce que je supporte pas de l'avoir dans les pattes. Et je supporte pas de le voir rien faire en fait. Voilà. Et du coup,
Du coup, ça va, hein, il fait le taf quand même. Il fait le taf quand même. Voilà, ce qu'on va commencer à manquer, ça va être de diamants. Je pense que c'est de ça qu'on va commencer à manquer le plus. Et ça, j'avoue que ça pourrait poser problème. Quoique, il n'y en a pas non plus énormément besoin. Ouais, quoique j'en ai 35 ici, j'en ai encore aussi sur Aziel. Donc ça devrait être bon, ça devrait être bon. Si, tiens, qu'est-ce qu'on va refabriquer? On va se refabriquer ça rapidement, parce que ça me manque de pas les avoir. Ok, donc, du coup, il va nous falloir de l'aluminium. Hop là. Des plaques de ça, des plaques de ça, de ça. Et quoi d'autre? Non, c'est dans Utilities, Ben. Ah bah ça y est, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour les faire. Ah bah voilà, du coup on va les faire. Enfin, on va les refaire plutôt, puisque je les avais faits, mais qu'ils ont été malencontreusement détruits. Et du coup, je me demande... Non, je préfère les faire près de là où il y a les coffres. C'est plus pratique. Ok, donc... Lui... On va se le coller là. Voilà, la petite chem station qui va bien. Ouais, c'est bon. On doit être dans la zone de... d'alimentation du... J'espère. Ouais, c'est bon. Ah, mais donc on peut faire plus de choses. Oh. De la phénicyclidine. Liquidus pour crafting more advanced item. Ok. Ça c'est quoi? La fluorine, mais on n'a pas de fluorine. Ça, on a de la chlorine et de l'hydrogène, donc on pourrait en faire. Ça c'est quoi? De l'hydrazine. De l'hydrazine. Il nous faut du nitrogène, de l'hydrogène. Hey, on pourrait faire de l'hydrazine. Alors c'est... l'hydrazine, c'est le carburant pour fusée. Hein. Vous êtes au courant, quoi. Je vous apprends rien. Du coup, on va fabriquer vite fait le printer. Et ensuite, on va se fabriquer un petit peu d'hydrazine. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Juste à côté du copain. Voilà. Histoire qu'il soit pas trop loin et qu'on n'ait pas à courir pendant des siècles. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut pour fabriquer des conteneurs? Des conteneurs, bah, on a tout ce qu'il faut. Donc on va se fabriquer deux ou trois conteneurs. Hop. Tac. Bon, allez. Soyons pas radins. On en aura d'avance comme ça. Allez, encore 3. Voilà. J'aime bien comme ça remplit des rangs d'inventaire et tout, c'est classe. Ok, et donc, il va nous falloir du nitrogène et de l'hydrogène, je crois. Je ne suis plus sûr, j'ai un blanc d'un seul coup. Donc, la chem station. De l'hydrazine, bah voilà, on a tout ce qu'il faut, c'est ça. C'était du nitrogène et de l'hydrogène. Donc on peut fabriquer quelques bidons d'hydrazine. Voilà, donc on va le faire. Hop, ça nous fait 4 bidons d'hydrazine, c'est sympa. Ça fera du carburant pour la fusée quand il en aura besoin. Du coup, on redépose nos bidons vides, hein. On va pas les garder, hein. Ça sert un peu à rien. Il va me manquer un bidon de... Voilà, de nitrogène. Et lui, il a combien? Il est toujours à 100%. Donc c'est nickel. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai échantillonné un peu tous les gaz qu'on trouvait, hein. Donc l'hydrogène, l'oxygène, la chlorine et du nitrogène.
qui se trouve sur Aziel. Voilà. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc on va déposer nos bidons ici. Voilà, tu vas classer ça par sorte. Sauf que j'aurais préféré que tu me foutes les passe-lights en bas, mais bon. C'est pour ça que je fais rarement sorte en fait, parce que finalement, ça classe pas les trucs comme je veux. Voilà, vous voyez. Il m'a foutu les bidons d'hydrazine, n'importe où, n'importe comment. Voilà, j'aime pas ce système-là à cause de ça en fait. J'ai mon propre système de classement, comme ça, je sais ce que j'ai, je sais comment me repérer, et c'est vrai que. C'est vrai que quand on change mon classement, tout de suite après, bah, dans la seconde, je suis perdu, quoi. Voilà, donc on a fabriqué d'hydrazine. Pour l'instant, bah, c'est juste useless en fait. Hein. C'était juste pour en fabriquer. Parce que du coup, l'hydrazine, bah, comme vous le savez, hein, la fusée, vous voulez la recharger, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Et c'est tout bon. Du wild fungus, du carbone, glace conteneur. Ok, et ça, il faut de la chlorine, mais j'ai pas de chlorine. Si, j'ai de la chlorine. Ah bah voilà, donc on va faire un comme ça et un comme ça aussi, juste pour voir. Donc, et là je crois qu'on aura vraiment, vraiment, vraiment tout fabriqué quoi. Donc du fungus. Voilà. Du carbone. Voilà. De l'hydrogène. Voilà. Allez, soyons pas radins. De la chlorine. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va vérifier vite fait. Ouh, ça tire. Il y aurait une bestiole? Oh oui, il y avait une bestiole, dis donc. Oh la vache! M'a fait peur. Qu'est-ce que t'es laid, mec? Quand même. Non, sérieux, hein. Tu devrais attenter un procès à tes parents pour t'avoir fait une tête pareille. Ok, excusez-moi. Suis pas gentil en disant ça. Quoique, non, c'est vrai, vous avez vu la tête qu'il a, mon Dieu, mais c'est horrible. Il faut des containers en verre, Ben. Et sinon, j'ai tout ce qu'il faut, sauf le wild fungus. J'ai pas de wild fungus. Ah oh. Alors c'est peut-être pas implémenté ce truc. Bon. Bah on fera pas du truc avec du wild fungus parce que j'ai pas de wild fungus. J'ai du fungus mais pas du wild. Le mien ici c'est du domestique, c'est pas du sauvage. Ah là 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 là, Ben. Ok, donc bah du coup on pourra pas fabriquer de ce truc. Ouais, vous voyez, hein, ça fait un carré blanc, donc à mon avis le produit il n'est pas implémenté. Hein. Le truc il doit pas être implémenté. Ou alors je sais pas où on en trouve. J'en ai peut-être pas juste pas trouvé en fait. Donc du coup en fait, bon bah pour ça il faut de la fluorine, donc bah du coup on va faire de l'hydrochlorique. Ouais, et puis on peut en faire. Du coup, on peut en faire 4, quoi. Voilà. Du coup, on a fait notre acide hydrochlorique. Je sais pas à quoi ça va servir. Liquid used for crafting more advanced items. Ok, d'accord. Et c'est. Mais ça doit pas être des items qui doivent déjà être implantés. Donc là, on peut fabriquer quelques trucs. On s'en rappelle. Et donc ici, voilà, donc de la bouffe, du cuir, des pruneaux, des pipes, non, tout ça on a fabriqué. Hein. Tout ça on avait déjà fabriqué. Là je crois qu'on a vraiment fabriqué de tout, de tout, de tout. Là, pour le coup, je dois bien dire que.
dois bien dire que là, je trouve plus grand-chose à... à fabriquer en fait. Parce qu'on a vraiment tout fabriqué. Du coup, on va déposer la chlorine avec avec l'hydrazine. Voilà. Donc on aura fait un peu d'acide. Et donc hydrazine used for crafting more advanced items. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas d'items à construire avec ces trucs-là, quoi. Peut-être aller regarder sur la table de chimie à l'intérieur, elle est plus complète. Ouch. Merci. On va éteindre la lampe parce que ça sert à rien d'user les piles. Et ici, non. Non, ça c'est du sap. Ouais, donc non, hein, on peut. Donc ça c'est fabriquer du caoutchouc avec. Avec du carbone, de l'hydrogène et de la chlorine. Mais bon, ça sert à rien puisque vous pouvez enfermer. Ça peut s'avérer utile à la limite sur Aziel par la suite, quoi. Et encore que j'ai pas vu d'hydrogène ou de chlorine sur Aziel, donc. Donc ça semble un peu cuit. Voilà. Autant le dire. Autant le dire, ça semble un peu cuit. Et donc du coup, bah voilà, hein, on a vraiment tout fabriqué. Donc du coup, bah, je pense que demain, on fera un petit épisode où on fera un point de notre aventure. Et puis, on mettra fin au let's play. Du coup. Non, ça, j'en ai plus besoin. On peut se prendre une douche, mais ça sert à rien. On est tout propre. J'en ai pris une tout à l'heure. Donc, non. Hein, si, on peut s'hydrater. Voilà. On peut s'hydrater. Et donc voilà, parce que là je crois vraiment avoir vraiment tout fabriqué, tout ce qu'il est possible de fabriquer pour le moment dans le jeu. Déjà tous les morceaux de bâtiment on les a fabriqués. Les utilities on en a fabriqué, même des qui sont pas très utilities. Tout ça on a fabriqué, même si certains sont useless, comme le climat contrôleur et l'oxygénateur, on a tout fabriqué. On a fabriqué tout ce qui peut être fabriqué depuis les fabricateurs, depuis les imprimantes, depuis les stations chimiques. On a farmé comme des fous, on a fabriqué tous les véhicules. Par contre, c'est bizarre, c'est que mon crabe a disparu en fait. Depuis l'épisode multi avec Alexio, mon truc a disparu. Donc c'est bizarre, au pire j'en refabriquerai un, c'est pas pour ce que ça prend en temps. Faudra juste trouver les quelques ingrédients qu'il faut et qui me manqueront peut-être, mais bon, j'en vois pas trop l'intérêt puisque c'est plus un véhicule pour la déconne que pour le vrai combat, quoi. Du coup, voilà, donc bah, il va être temps de vous laisser. On va aller chercher Nono, comme ça on se dira au revoir tous ensemble avec Nono, et puis on se retrouve demain pour la suite de nos aventures sur Osiris New Dawn, donc. Pour la suite et fin, je pense, pour le moment du let's play. Donc ça sera pas... Non, excuse-moi. Vas-y, va bosser, va te décharger. Ça sera pas la fin du let's play, hein. C'est plus une mise en pause du let's play du fait que bah, j'ai plus rien à faire. Et que tourner en rond, comme je l'ai fait hier, c'est pas drôle pour vous, c'est pas drôle pour moi non plus, parce que je suis sans arrêt en train de... Bah, c'est des épisodes qui me plaisent pas forcément quoi parce que bah c'est pas très démonstratif du jeu et puis ça fait pas des épisodes très qualitatifs. Non, reviens. Reviens, non, reviens. Voilà. Non, tu restes avec nous. Voilà, tu restes avec nous pour la fin de cet épisode. Je t'enverrai bosser après. On va dire au revoir à tous nos amis. On leur dit au revoir. Et on se retrouve demain, donc. Ah bah non, en fait, hein, ma combi, elle aurait peut-être bien eu besoin d'une petite douche quand même. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Bon, bah j'irai la prendre avant l'épisode de demain. Voilà, et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve demain, donc, pour un petit épisode de clôture. On va clôturer gentiment le let's play.
Et comme je vous dis, hein, c'est pas une clôture de fin, c'est plus une mise en pause du jeu le temps que du contenu arrive, puisque c'est toujours un early access, donc il y a du contenu qui va sortir assez régulièrement, je pense. Donc d'ici quelques temps, je pense qu'on devrait pouvoir reprendre un let's play, refaire quelques épisodes en coop et tout, ça sera assez sympa. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous retrouve demain pour le résumé de cet early access. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des trucs que j'ai oublié de fabriquer ou si vous avez vu des trucs que j'ai oublié de fabriquer, ça peut m'arriver. À me dire ce que vous pensez de tout ça, et puis je vous retrouve donc demain pour la suite de nos épisodes Osiris New Dawn. Allez, gros bisous!